compte tenu de la série que nous venons de vivre à l'extérieur, c'est un bon point. On espérait mieux. Et on avait pris le match par le bon bout, avec une énorme occasion d'Adamanian au bout d'une dizaine de minutes, où il a fallu un exploit de Gürtner. Je pense que c'était important de mener au score. Et malheureusement, alors que les Amiénois n'ont eu aucune occasion en première mi-temps, on se trouve encore mené à la pause sur ce pénalty. Donc il a fallu être costaud mentalement pour revenir avec des intentions. Bon, ben voilà, nous aussi on a égalisé rapidement. Et après on espérait mieux, mais bon, les conditions de jeu étaient très difficiles. On a eu un peu de déchets techniques et on n'a pas réussi à se créer suffisamment d'occasions. Mais bon, Ervin Zelazny n'a pas eu un arrêt à faire du match. C'est dire la solidité quand même de mon équipe devant une équipe amiénoise qui a joué un jeu très direct sur un joueur pivot, Lassina Traoré. Donc il a fallu être présent dans le combat aérien, dans les duels. Et je pense qu'on a répondu présent à ce niveau-là, à défaut d'être brillant comme sur certains déplacements où on n'a rien ramené. Là, on a le plaisir de stopper l'hémorragie à l'extérieur en ramenant ce point qui fait un peu un statu quo en fin de classement. Maintenant, on a un peu de temps pour bien préparer la réception de Nice.